Alors, on commence par Tréton. Tréton et Shriek qui s'affrontent en jungle. En vrai, les gars, les autres parlez pas. Juste, je veux les termes. Vas-y, Shriek, qu'est-ce que tu vas faire à Tréton en jungle? Dis les termes maintenant. T'as dit sur Twitter, rien. La meilleure mythe, tu vas rien faire. Comment ça, rien? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je viens de répéter. J'ai promis à Tiki. Il est trop bien. Écoute-moi bien, Shriek. T'as besoin d'aide, Domi? Comment ça, tu vas me dire mythe? J'ai pas besoin d'aide, mais Tréton en full grand. T'as peur, mais t'es joueur pro quand même. Ça va trop bien. Tréton en full grand. Pour jouer à LoL, il se chie dessus contre Didi, quoi. Attends, mais Niski demande des gants contre Tiki, diamant 1 Hearthstuck. Oh, Shriek, c'est là des gants dans LoL. Oh, diamant 1 Hearthstuck, comment tu parles de mon midlaner, frère? Mais tu sais que Tiki avec un mental. Mais Tiki avec un mental, c'est plus fort que Chovy. Ferme ta gueule, j'ai vu ton Vegar et plus sa mère, voilà. Ta gueule, Niski, mais Niski, tu m'as sucé parce que j'avais des viewers quand tu m'as coaché et là maintenant. Oh, la dinguerie! Ouais, la phrase! La dinguerie! T'es en train de dire que c'est un goûteur, t'en vrai, c'est un goûteur là. Mec, mon Vegar il était céleste, même toi tu l'as dit que mon Vegar il était bien. Ah ouais. Là, en vrai, les gars, c'est pas mal. J'aime bien l'ambiance. Ok. En vrai, j'aime bien l'ambiance. Twix, toi, de ton côté, est-ce que t'as hâte de voir un match-up en particulier là? Tout à fait, puisque je vais économiser des charges de patronal avec le match-up jungle en fait. Oh, ok. Donc, le perdant. Le perdant, bah, il va me faire des mains fleuries, je pense. Après. Oh, incroyable! Bah, c'est fun, t'inquiète pas, la grande Nida de Tréton, on la connaît, tu sais, tu l'as déjà vu en soirée. Niski, en tant que joueur LEC, pourquoi tu vas pas un autre rôle que le tien? Pourquoi tu vas sur ton main rôle? C'est fou qu'il joue sur son main rôle, par contre. Je n'ai pas organisé le tournoi! Mais Niski, tu sais, y'a pas de cash price, hein, tu peux aller, je pense pas. Ok, ferme ta gueule, toi, tu me casses. T'as un truc de fou. Tu prends une amende encore ce soir, encore une amende dans ta gueule. Ah ouais, s'il te plaît, Niski, défends-moi des amendes, Riot. Oh putain, ok. Bah, moi j'ai une question à te poser, Étoile, sur Twitter, avec Maxime, vous êtes taunt, et c'est pour ça que je t'ai mis face à lui, parce que tu as écrit que tu allais le. Mot pour mot, que tu allais le faire sucer, voilà, faut dire les termes. Est-ce que ce soir, tu comptes tenir parole, Étoile, et massacrer avec des rotates au top ou quoi sur Maxime, ou tu vas jouer normal? Écoute, j'ai montré beaucoup de choses. En fait, j'ai fait un mode training sur LoL avec des joueurs exceptionnels. Donc en vrai, je pense que je vais. Ça dépend du perso que j'aurai, mais je pense que tout va se jouer sur la top lane en fait. Je pense que tu fais une présentation bien musée ou tu fais quoi? Je te jure, on n'écoute plus, gros. Oh, écoutez, Étoile! T'es avec moi, t'es un bon. Non, mais envoyé, frère, bien envoyé. Maxime, comment tu vas? Étonné d'ailleurs que Maxime ait répondu au thème de Sleepix, c'est incroyable. Non, il a pas répondu. Écoute, Maxime, c'est une dinguerie. Avant, tu me répondais, allez, un peu de délai, tu vois, de quelques jours. Frérot, tu m'as même pas répondu, c'est une dinguerie. Mais gros, attends, mais j'ai pas répondu, mais le plus important, c'est qu'on soit là pour le. C'est vrai. Ah, c'est vrai ça. Oh, ta gueule, Maxime, c'est pas frère. Putain, ta gueule, gros con, va. T'es monté dans la même équipe, mais Niski, c'est pas ton joueur. Y'a pas d'équipe ce soir, je me suis fait rundown en solo cul par Carnage, y'a pas d'équipe ce soir. En vrai, attendez, j'ai une question vraiment, les gars. No joke, j'ai pensé toute l'après-midi. Au top là, Grim contre Maxime. Le match-up, vous allez jouer aggro ou vous allez la jouer un peu zen? Non, Oh là là. Une fois comme ça, je me casse. Hein. Non, je devais y aller, moi. Moi, ça m'a cassé les couilles déjà. Alors, au niveau des runes, est-ce qu'on a des dingueries, mon cher Sleepix? On voit que. Je suis en train de regarder. Il y a l'Ignite. Hein. On a le Fleet pour Niski. Faut vraiment jouer sur la petite mousse speed pour esquiver le charme, pour régène. Alors que Tiki, il est en full. Voilà, il fout le beau jeu électrocute. Il veut kill, hein, Tiki, ça se voit. Bon, par contre, double TP, hein. Pas d'Ignite du coup, comme il avait dit. Il savait que Tiki allait prendre TP. S'il prend Ignite, il a pas de game. Enfin, Tiki, il a pas le choix. Conquérant sur Tréton. Ok. Shriek pareil sur son Viego. Et top, t'as Maxime qui prend les devants, hein. Niveau 2. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi Maxime. Qui massacre son associé, hein, de Zen. C'est incroyable. Très joli zening niveau 2, hein. C'est du textbook. C'est du zening, du coup, on peut dire. Du zening, ouais, il est très très bien. Ah, ouais. Bon, mais les procs, le shield, deuxième. Le massacre space. Oh là là, la griffe et le trade back avec le passif de mort de Kaiser. Aïe, le gratte, la tempête de métal. Aïe, aïe, Black Dust qui revient. Oh là 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 là, c'est dommage, on avait fait un bon trade. Mais là, du coup, on se prend la sauce en retour. Y'a plus de potion, top. Hein, plus de potion, niveau 3, hein. Le hookshot, ça connaît, click dive. Peut-être le first blood, il est trop court. Dommage. Oh là là, Grim qui a failli se faire massacrer. On a failli avoir un solo kill de fou là, les gars. Ça joue agressif au top. Hein. Ça va se chauffer aux grubs, hein, j'ai l'impression. Première rencontre entre les deux junglers imminente. Tréton qui traque Nardiz. Oh, le 1v1, Tréton qui prend l'avantage sur Shriek. Attention, hein, Conquérant stacké. Bonit, attention. Ici contre Tiki. Il est en train de l'exterminer, Tréton est en train de l'exterminer. Y'a Carnage par-dessus. Y'a Camille, y'a Maxime. Hein. Y'a Maxime, Tréton, voilà, il faut qu'il flash. Ah, y'a l'ulti. Maxime qui fait la diff. Là, Maxime qui fait la diff. Et Tréton qui se fait first blood, let's go! Oh, my first dream, blood! My dream! Incroyable! Oh, c'est fabuleux! Incroyable! Là, Maxime, il fait la diff. Hein. Il arrive à avoir déjà la prio. Je pense pas qu'il ait le match-up face à Mordeux en early en plus. Hein. Il me semble pas. Hein. Et donc, on retiendra que Tréton s'est fait first blood. Hein. C'est le
C'est la place du con, littéralement. Exactement, là très ça, ça me fait vraiment plaisir que ce soit lui, pour le coup. Vous pouvez pas espérer mieux. Une chance sur 10 et on est récompensé. La Traitant qui continue, hein. Il continue, hein. Full agression. Invade, on stack, on fracasse Carnage, on a Étoile qui arrive en renfort pour prendre la vision. Attention, il y a quand même Shriek qui arrive. Hit, on est even au farm. Je suis en train de... Les gars, Kiki est en train de faire une très bonne lane face à Nissie. Avec flash en moins, mine de rien, donc c'est vraiment très honorable. Ça pull Drake hein, pour trade back les Void Grubs. Pendant que notre cher SDF Soukrak, aka Shriek, est en train de refull clear pour créer un petit lead qu'on voit déjà quand même pas mal niveau farm jungle. Hein. C'est rotate bot avec un portail de Bard, ça peut être très dangereux. On oh, le portail de l'étoile, attention directement. Le stun, oh là là. La Carnage, il va prendre cher. La Carnage, boucher directement les armes, ça envoie sa bourrine. Ouh, Carnage qui a un HP là-dessus. Hein. Étoile qui crée un bon impact avec le timing room de son Bard. Ah, attention, le gank là. Bah, après, c'est un Mordeux, attention, la wave elle est grosse. Hein. Attention, c'est greedy là ce que fait Maxime. Hein. Parce que là, le Mordeux, je pense qu'il peut turn avec son R. Hein. Ah, il prend qui? Il y a une wave en plus, il va essayer de jouer dedans, il l'ultive, est-ce qu'il va plonger ses tours? Oh, let's go Grim! Le travail de Grim là-dessus! Shriek, attends, Shriek peut perdre, hein! Shriek peut perdre, hein! Il est en train de les soulever en V2, Sleepix! Il est en train de les soulever en V2! Merveilleux. Solo kill de Grim là-dessus! Grim qui crée la différence, les gars! C'est vrai que là, on peut enclencher ce cher Bushi qui est sans cleanse, donc il se prend le trou combo normalement. Ah, il peut rien faire, hein! Là, s'il se fait choper par Carnage, il peut rien faire. Carnage directement! Flash out de la part d'Étoile, le portail est pas mal, mais je pense que ça va être trop léger pour Étoile, il va tomber, je pense. Attention, le retour de plume, mais non, il y a le Gravitomb, superbe zoning de la part de Bushi, hein. C'était vraiment pixel perfect. Directement contre-attaqué, l'ulti en retour, c'est beau! L'arrivée de Traiton juste au-dessus. Traiton? Attends, ça clique, attends, il s'en fout le tryhard là. Oh, c'est parti. Oh, c'est Tiki! C'est sur Tiki. Ah, il a pris un coup tour, hein, en plus il y a Max par dessus. Ultimate, il est foutu, hein. Il est foutu. Et il s'enfuit, il est dans les raptors. Traiton, qu'est-ce qu'il fait? Traiton se fait kidnapper dans la jungle. Oh, Tiki. Et malgré l'excellent travail de son support, il va tomber. Tiki, back. Le setup Drake, il est clean. Attention, le piège. Oh, le trap, très bien joué ça. Il peut pas rendre vraiment le trade en plus. Il va le zoner. Ah, c'est peut-être là, c'est dur. Hein. Là, c'est dur. En Nashor, il perd un petit peu tout ça. Tiki, il a pas envie de lane hein, spécialement. Il a envie de se barrer, jouer avec son jungler, mais... Après, la jungler est un peu spécial dans cette game. Tabi Riley, la pauvre Camille. Oh là là, en plus, il a loupé son... Oh là 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 là. Ah, c'est ingérable, là. À la top lane, ça va être dur pour Maxime. Et c'est dommage, parce que Maxime avait commencé avec potentiellement un solo kill. Hein. Carnage qui loot, qui look sur Étoile. Carnage. Étoile qui est no flash, mais bon, il a un portail, ça devrait le faire. Il baisse pas les yeux, Étoile, il baisse pas les yeux, regarde-le. Il arrive à buffer directement le portail, il le zone complètement, mais il joue tellement bien. Ah ouais, ça veut dire que mécaniquement, là, Étoile s'envoie. Attention, prendre la solo tour, là, au bot. Aïe, aïe, la first tower, on a laissé tout seul, petit Didi qui a pris la tour. Là, l'écart de goal, ça commence. Ça creuse hein, à la macro, on sent qu'il y a un général qui communique pas mal. Je pense que je suis pas sur le stream de Niski, mais je pense qu'il doit quand même lead. Hein. Je sais pas si de base c'est un joueur qui parle beaucoup en équipe Niski. C'est un joueur qui est assez vocal. Ok. Il a toujours un impact. Ouais, tout à l'heure, j'ai joué avec lui en arena, il m'a dit t'inquiète 42 fois et après on a perdu. Il est assez vocal, ouais. Il est assez vocal. Allez, poule Herald. Il risque d'avoir un fight, mais on a Sididi qui est un petit peu late. Ça devrait passer normalement pour la team V. Superbe stun de la part de Étoile, ça a envie de join. Ah, c'est dur là, c'est dur. Hein. Étoile qui a pas de flash. Hein. Étoile qui peut se faire burst là-dessus. Le très bon portail. Carnage qui est dans la mêlée. Blue Titre étant pour temporiser, c'est pas mal. Oh, attention, ils se font wipe là. Avec l'Infelios. Absolument magnifique. Il les a éteints tous. Et là, c'est la machine à reset. La machine à reset. Double kill pour Bushi. Mais là, ça va de chase, hein, bien sûr. Flashing de la part de Grim, c'est follow-up. Destin tempéré qui crée de l'espace autour Grim de Niski. Grim sur Niski. Il pourrait créer un petit miracle. Mais là, on est dans le royaume des morts. Et Niski qui va se faire soulever, accueillir en sortie. Aller-retour. Et voilà. Et voilà, on a le clip. On a le clip du kill de Tiki sur Niski. C'est un solo kill. Clipez les gars. Screenez. Prenez le kill. Mettez sur Twitter, les gars. Aïe. Et ben là, le gros travail de Bushi dans le tas, là. Là, le combo, hein, le combo avec Étoile et tout. Carnage essaie de contre-attaquer, attention. Oh, le stun d'Étoile là-dessus avec Grim par-dessus, c'est magnifique. On force l'air de CDD. Non mais ce Bard, hein, ce Bard on en parlait, il a un impact de fou. Ah là j'avoue, faut dire les termes. Là franchement les gars, Étoile les gars, c'est le Bard que j'ai eu en flex contre le GM. Je vous le dis, c'était ce Bard là que j'avais. Faut dire ce qui est la vision. Et c'est ce qui a fait la diff aussi. C'est bien setup par Carnage. Ah c'est vrai, attention là Shriek, hein, il est bien placé. Hein. Après, ça reste une Harry. Hein. Oh, le stun qui passe. La rotation, il va dodge. Oh, il va dodge le charme avec Traiton par-dessus. Shriek, il va fail. Oh, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Il n'a pas de mercure, il n'a pas de ténacité. Eh ouais. Et pourtant, il a trouvé la frame.
Tiki le taf directement Carnage, on va roter Sididi qui va étant qui va se rattraper potentiellement par Sididi. Est-ce qu'il va prendre le premier kill? Tréton qui flash in directement la Xayah, ça prend un kill. Tiki la TP. Est-ce qu'il est mort hein? 1, 2, 3, il... Aïe aïe aïe. Bien sûr on se fait monter en l'air. Aïe 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 aïe. 2, la T1 qui va fade. 3k gold, 1 pour 3 dans le move. Et là, si je ne sais pas ce qu'il peut faire avec son laser. No joke, là, il ne peut pas. En fait, il va se prendre un all-in et même Tréton qui était pas bien dans la game. Là, il a comeback. Voilà. 2v1, Niski, est-ce qu'il peut être play un disque solaire? Le charme, il est magnifique, ce charme! Il se fait charmer! Il ne loupe rien, Tiki, il ne loupe rien, tout simplement! Il est ingérable, hein. La TP qui est un peu late de la part de Maxime, c'est bien de vouloir aider, mais c'est un peu late, c'est dommage! Il pouvait pas, il y avait pas la tour encore. C'est un truc de fou. Bushi directement qui est un peu mal placé là-dessus, la rotation de CC, c'est très bien joué! Attention, Bushi, les dégâts peut-être? Non, il pourra pas. Il pourra pas, c'est un shutdown pour la Xayah. 600 gold, Grim dans la jungle, mais Grim il est inarrêtable. Tu peux rien faire face à lui là. Il prend un kill. 4v1. Ah, il va prendre un kill. C'est beaucoup hein. Faut vite qu'il ulti, faut pas qu'il attende. Est-ce qu'il peut en soulever un? Il prend le Viego, il met son shield. Oh, Shrek qui se fait massacrer par Grim Cujo. Shrek qui se fait massacrer par Grim. Il flash out. Il se positionne extrêmement bien. Il y a plus de E sur Niski, il va s'en sortir comme un prince. Et non, ça va chase. Comment est-ce qu'il peut retourner la situation? Y'a Tiki qui est en train de le rejoindre. Peut-être qu'ils peuvent turn ce move. Ils peuvent peut-être turn ce move, hein. Aucune vanne, y'a Tiki. Il a son Z, il va temporiser. Tiki directement. Il prend le premier kill, est-ce qu'il prend le deuxième? Le flash out du charme de la porte d'ici, c'est très bien joué. Tiki qui va se repositionner. Oh, ce qu'il lui a mis, ce qu'il vient de lui mettre. Est-ce qu'il lui a mis, frère? Moment historique. Est-ce qu'il lui a mis le flash? Il lui a mis le flash, il lui a fait une cheville. Bah, clipez les gars, clipez-moi ça. Oh non, c'est trop. Il faut l'encadrer, il faut l'envoyer à Tiki. La vidéo avec un petit cadeau là. Non. Allez, Tréton, 1, 2, 3, on aurait pu hold la strike pour le hookshot. Ah, on aurait dû hold la strike pour le hookshot, malheureusement, mais on peut toujours connecter dessus, je pense. Un petit ultimatum extech qui sert à rien, et là, ça snowball hard, un 14-6. Ah, c'est lourd ce qui se passe. Destin tempéré, c'est un double hit, mais attention. Oh là là, et toi, directement, il attend pour le Q-spell. Il aligne le Q, ça connecte pas. Attention, peut-être un progrès dit là, les bleus quand même, hein. Attention. 4k gold d'avance, 2 Drake, ils sont bien là, la team Vier. Hein. Regarde-moi ça, la pression. Hein. Ah, Grim, attention, il est mal placé la Grim, il y a la tour, il y a la gros de la tour. Aïe, Grim qui grid là-dessus. Ah, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Allez, attention, on peut pas perdre plus parce que sinon c'est le Nash. Rayo qui va se faire. Oh, le stun étoile. Il est pixel. Ah, il va se faire attraper quand même, il pourra pas. Hein. Il a pas de E. Eh non, il est stun, il tombe. Tiki a sa TP. Mais attention, ce Nashor, il est pas gratuit. Hein. On a vu ce que Bushi était capable de faire. Maxime est en twerking, malheureusement. Qu'est-ce que fait Maxime au top? Tréton le smite. Tréton. Allez, c'est ton moment, Tréton. C'est ta carrière de jungle. Tréton. Le smite. Oui, Tréton. Tréton, c'est Canyon, cette game, c'est Canyon. C'est Tréton. Et Tiki qui va go in sur Shriek avec ses resets. Shriek essaye quelque chose, il ne peut rien faire. Oh là 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 là, mais Tréton, mais c'est Chovy et Canyon mid jungle. Chovy, aucune vanne. J'ai pas peur de le dire. Attention. Ok. Ça arrive même pas. Y a pas mal de kagold. Attention, étoile. Le Q-spell, peut-être la rotation. Ok, il y a Kanash qui s'est là-dessus. Il lui a cancel son combo, c'est absolument merveilleux. Oh là 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 là. Et ça arrive à se soulever. C'est game, non? En mode couillasse. C'était pas game là en vrai? Je sais pas s'ils peuvent en vrai. Ça push pas. Rotate T2, sortie Drake, hein, c'est le safe call ici. Non mais Rayu le taf. Attention, regarde Grim aussi, tout le monde fait son taf en fait. Ah, c'est vrai que là le taf de Rayu il est colossal. Hein. Ah ouais, non, il mais, Maxime vraiment... qui encourage ton équipe, hein. Dans le chat, il préfère notre to speak. Voilà, Maxime qui encourage son mid laner en pleine game, c'est beau, la solidarité dans une équipe, c'est important. Ah mais 7-1-7, on est sur une KP exceptionnelle. Le mid jungle, c'est un vrai tandem. Hein. Tréton a un énorme shutdown, en vrai c'est Tréton, hein, je pense. Hein. Allez, on tente. Shutdown Tréton, arriver à shutdown Tiki, essayer de le one shot. Ouais. En vrai, il faut que Niski fasse une faker en réalité. Ah oui, là oui, il y a que moyen, ça. Ulti, hein. 3-4 personnes. Ouais, Viego, et puis c'est parti. Hein. Ah, il a donné 1k à Camille, ouais, c'est vrai, le chat s'en est souvenu. Ah, bah, bon investissement. En vrai, est-ce que c'est un problème? En vrai, no offense, mais est-ce que c'est un problème? Je sais pas, après, c'est vous qui dites. Oh les bâtards. Alors, on a le droit d'être malveillant, Oh, Rayo! Oh là là, ça touche. Attention, Tréton qui gagne, c'est peut-être un peu greedy pour Tréton, quoi qu'il a son R.
Ah, il a un petit shutdown à donner, mais ça passe. Carnage. On a stack totalement. Et regardez. Mais ce qu'il veut pas taper. Regardez Chauvier. Chauvier. Il vole, il vole. Ah, Shriek. Et Shriek qui se fait assassiner en plein buffer de son ultimate. C'est game. C'est game. C'est game. C'est un massacre. 10k gold pour l'équipe d'Evier. J'ai tellement hâte de les retrouver en vocal et de voir ce qu'il y a à dire. J'ai tellement hâte. Oh là. Je mets leur son à 20%, hein, je te le dis. Là, c'est... Ah oui, mais complètement. C'est un moment historique là. Hein. C'est un moment historique. Là, il faut aller en vocal, faut dire les termes, les gars. Bon, le chat, je pense que vous êtes régalés. La game était vraiment cool. On a eu des beaux petits plays. Et putain, t'as vu le tweet qu'il y a eu là? Le quoi? T'as vu le tweet là qui vient de sortir? Non. SK. Attention. SK, Team SK, Verbal Agreement with Tiki as mid laner. Vous l'avez vu, les gars? Iski will be. Putain, la team vie est exceptionnelle. Hein. Iski will be on the bank. Régaler dans le vestiaire. T'es 1v2, Shriek n'a rien fait. Allo? En plus, tu l'as style. Allo, les gars? Bah, GG à vous, les frères. GG, les gars. Franchement, très belle game. Oh, c'est l'e-sport, hein. C'est... Je crois que c'est l'heure. Ah bah alors, Niski, ça va. Niski. Eh hey, Shriek, viens top encore, tu as goûté, viens top encore. Bah ouais, d'accord, ta gueule toi, d'accord. Niski, même pas de CS d'avance, hein. Azir, Harry, même pas un CS d'avance mid. Ah s'il te plaît, Carnage est venu 1000 fois mid. Oh, s'il te plaît, Shriek, il est venu 1000 fois mid. Arrêtez, il est venu 4.